En direct de la Place des Arts, hôte de l'événement, Radio-Canada présente le 44e Gala de la Disque.
Patrice Michaud, Cœur de Pirate et le Quatuor Esca. Au Gala de la Disque ce soir, Mario Belchat, Bruno Pelletier, Lisa Leblanc, Edith Butler, Naya Ali, Sarah May, Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Samian, Laura Nicoué, Corneille. Et maintenant, pour une 17e année, voici votre animateur, Louis-José Houd. Merci, c'est gentil. Cette année, tout le monde, l'humoriste Dave Chappelle fut agressé sur scène lors d'un spectacle. L'humoriste Chris Rock fut agressé sur scène lors d'un gala. L'animatrice Véronique Cloutier fut interrompue sur scène lors d'un gala. Là, José, il y a rien à faire. Qu'il n'y en ait pas un qui m'essaye. Parce que moi, j'ai deux gardes du corps ici ce soir. Ils s'appellent deux frères. Ouais. Ouais. Pis si tu m'approches, il y en a un qui te charge, puis l'autre qui s'assoit sur ta face. Et tu sais lequel fait quoi? Ouais. À quel point il n'y a pas de sécurité dans les galas? Essaye de rentrer dans les bureaux de Radio-Canada, ils scannent ta sacoche, puis ils te passent un test de prostate. Là, vous êtes 3000 farfelus en liberté avec un verre dans le nez en direct à la télé, et je suis armé de boutons de manchette! D'habitude, on dit « Ah, oh, je suis content d'être ici. » Moi, je suis content d'être maintenant. Je suis heureux d'être en 2022. Parce qu'un jour, tout le monde va être mort. C'est fâcheux, hein? Pensez-vous à ça, des fois. En l'an 3000, là, tout le monde ici va être parti. À part peut-être Jean Leloup. Votre musique, elle, va survivre. Va vous survivre. Votre musique va vivre vieille. Si on n'est pas tanné de la compagnie créole, tout est possible, hein? Au bal masqué, oué, oué, c'est plus vieux que Carey Price. Et ça, ça joue encore. Et je suis heureux d'être en 2022 parce que c'est l'année de la reprise, de la relance. C'est l'année des performances. Là, on retourne aux performances. En virtuel, on a vu des prestations. Là, on a vu des performances. C'est quoi une prestation? T'as de la prestance, t'as de la présence. On est à ça de dire que t'es ponctuel. Non, c'est pas ça. C'est ça. Une prestation, c'est sage. Une performance, c'est sale. Ça sent, ça swing, puis ça saigne. Tu vas voir un spectacle. Tu vas voir un spectacle. À la fin, tu dis, oh, ça se peut pas qu'il mémorise tout ça. Prestation. Tu dis, ça se peut pas qu'il ait la garde des enfants. Performance. OK? Ouais. Au rappel, tu dis, on va partir vite pour éviter le trafic. Prestation. Tu dis, je trouve plus mon plâtre. Performance. J'ai acheté des billets pour un spectacle. Une prestation. J'essaie de plus recevoir les courriels d'où j'ai acheté des billets. Une performance. Je suis allé voir un spectacle à la Place des Arts. Une prestation. J'ai essayé de me rendre à la Place des Arts. Une performance. J'écoutais le spectacle. Une prestation. J'essayais de voir le spectacle derrière 200 écrans de téléphone qui filmaient devant moi. Une performance, hein? Ça fait 15 fois que j'en parle ici, puis là, je t'écœurerai. Si tu vois un spectacle, puis tout le long, tu filmes avec ton téléphone comme ça, là, tout le monde t'haït. Pourquoi on fait encore ça? C'est épeurant à quel point on est rendu confortable d'être cave. C'est juste... C'est devenu tristement normal de juste se sacrer des gens autour puis de vivre sa vie pour d'autres au lieu de le vivre pour vrai. Prochain spectacle, vous allez voir, regardez-le, rentrez là-dedans. Expérience incroyable, juste ça. Puis regarde, vis-le! Oh, Lynn! Hey! 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 Moi, je suis allé voir Angèle Dubeau et la Pietà à la Maison Symphonique deux fois. Je suis allé deux fois, je suis allé. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone en place. J'ai dit, ça, c'est donc bien vive ici. J'y retourne. Je suis retourné. Et aussi parce que j'aime ça quand un violoniste joue puis il se met à faire ça avec sa tête comme ça. Comment t'appelles ça quand ça se met à brasser de même? Le menton part un peu comme ça. Là. Moi, ça vient chercher quelque chose. Il y a juste un violoniste qui bouge comme ça.
ou un bourgeois qui se fâche dans un vieux film? Qu'est-ce que c'est pas ça? Performance. Je vais vous le dire, je suis très heureux du retour en force du saxophone. Mais je suis allé voir le show de Les Louanges, le saxophoniste frisé à crise cardiaque la soirée. J'aime ça! J'aime ça un instrument qu'on sait pas si le gars va se rendre à la fin de la toune. Oui, parce que la vie de musicien, c'est une performance. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple de vivre de la musique. Il n'y a rien de plus noble, à mes yeux. Il n'y a rien de plus noble qu'un contrebassiste qui traîne sa contrebasse dans le métro, là. Dans le gros Christy de caisson de contrebasse, en tôle. Il n'a pas pris roulette, ça ne roule pas. Il a ça sur le dos, là, comme Obélix avec son menhir. Puis tu le vois, il se dit « La flûte, calvaire, la flûte! » Performance, monsieur. En juin dernier, dans le stationnement du Grand Théâtre de Québec, j'ai vu une harpiste de 5 pieds 2, 92 livres, rentrer sa harpe dans sa Fiat. Moi, je me considère motivé dans la vie, mais rentrer un instrument de Jésus baroque dans le cul d'une sous-compacte, ça prend de la rage au cœur en sacrifice. La flûte, calvaire, la flûte! Performance, madame! Récemment, j'étais dans un magasin d'instruments de musique. Dehors, il grêlait. Ça va être important plus tard. Dans le magasin, il y a un gars qui magasinait un gong. C'est la première fois de ma vie que je voyais un gars magasiner un gong. As-tu déjà vu un gars magasiner un gong? C'est parce que faut que tu essaies les gongs. C'est parce qu'un coup de gong, ça dure 2 semaines. Tu sais, une cymbale, tu l'étouffes avec ta main. Un gong, faut que tu rentres dedans comme... 20 minutes! Il a acheté le plus gros gong! Il a pas de gros caisson de gong. Il est sorti dehors nu gong! Il grêlait sur le gong! Gingling-ging, gingling-gong! J'ai dit, je m'en vais jamais d'ici! Il rentrait le gong dans son char. Le char était comme la flûte, calvaire, la flûte! Il est parti sa pine avec son gong qui revolait dans les rues de Montréal! Jamais tu maudis autant nos rues de marque avec un gong dans la valise d'une Yaris, calme! Performance. Fait que vous vous trimballez comme ça. Vous vous trimballez comme ça avec vos gros instruments bizarres, puis peut-être que vous changez le monde un petit peu à votre façon. Qu'est-ce qu'on fait qu'on peut aller mieux à l'écoute d'une simple chanson? C'est qu'est-ce qui fait que quand vous mettez les bons mots dans le bon ordre, avec le bon accord, on a envie d'aimer nos ennemis, puis de planter un potager, puis d'acheter une boutique souvenir en Gaspésie? Et puis ça dure toute une vie, hein? Toute notre vie, on fait des découvertes musicales. Mais en même temps, il y a des chansons qui sortent jamais de nous. Il y en a qu'on garde dans notre cœur toute notre vie. Moi, j'ai beau voir passer les années, les décennies, quand ils ressortent le train de Vilain Pingouin, avec la cloche qui part au début, soudainement, tout est possible. Tout le monde ici est encore vivant. En plus, on a reculé l'heure, on est encore plus jeune. Ce soir, on joue à guichet fermé et à visage ouvert. Et bienvenue au 44e Gala de la Disque! Ce soir, on commence de plein fouet avec le premier Félix de la soirée, celui de la chanson de l'année. Et pour le remettre, accueillons la plus grande voix de la francophonie, chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chevalière de nos cœurs. Mesdames et messieurs, Ginette Renaud! Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous en prie, ok? Merci.
Merci, merci du fond du cœur. Bonsoir. Merci. Je suis fier d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Vous savez, la musique, puis les chansons, la chanson, c'était toute ma vie. Mais ce soir, je me disais, peut-être que je suis toute seule, mais là, avec je suis pas toute seule. Hein? Il y en a qui aiment la musique comme moi, puis les chansons. C'est ce qui est formidable, c'est que cette belle salle, je l'ai faite des centaines de fois. J'ai aimé ça à chaque fois, en tout cas. Ce soir, les nominés pour la chanson de l'année sont... Sous le même toit, deux frères. Il y a des beaux jours, des fois, trop de tracas. Elle n'entend plus battre son cœur, Vincent Vallière. Ce soir, la lueur va essayer de part. L'écho, Ludovic Bourgeois. Bouge ton tagne, Clay and Friends. Si jamais on me cherche, Roxane Bruno. On s'aimera toujours, cœur de pirate. Copilote, Fouki avec Jay Scott. Pourquoi faire aujourd'hui? Lisa Leblanc. Ensemble sensible, Ariane Moffat. Good Lord, sale barbe. Et le gagnant du Félix ce soir est... Attendez, OK. Le public et l'Académie ont choisi... Capitole, Funky avec Jay Scott... Ici Funky, man! Yo, gros merci à 7e Ciel, à Torpille, à Jay Scott qui a fait la chanson originale, à Quiet Mike qui a fait le remix. Sans ces deux gars-là, la tune n'aurait jamais vu le jour, en fait. Fait que vraiment, gros shout-out aussi à Pops et Poolboy. Fucking right sur le son, moi aussi. Yeah, sur tout ça, man, on est aisés. Bon gala. J'aime tout. Peux-tu remercier Antoine? Hey, juste vous dire, là, tout le monde à la maison, là, moi j'ai fait cette chanson-là dans ma chambre à coucher, seul, en bobette, on a repris ça en équipe, puis aujourd'hui on est là, fait que tout est possible, merci à tout le monde. Peace out! Restez des nôtres, après la pause, Mario Pelchat et Bruno Pelletier. Solotech, leader en audiovisuel et technologie du divertissement. Ce soir, c'est notre premier gala à pleine capacité depuis 3 ans. Alors, oui, tout à fait. Alors, j'ai pensé vous rappeler quelques petites consignes de bienséance là, quant à vos remerciements. Hein. Soyez vrais, hein, soyez heureux et ça devrait bien aller. Mais de grâce, soyez ponctuels. Ne soyez pas le gagnant lent. Tu sais, le gagnant lent, on le voit des fois dans d'autres galas, là, le gagnant lent, là, ce gagnant-là. Là. Alors, le Félix est remis à Yves Jacques. Alors, voilà, il s'applaudit lui-même. Non, c'est vous, monsieur, c'est vous. Oui, il réalise, il a un moment
d'intensité avec lui-même, revoit des scènes de son enfance, père absent, etc. Il joue la carte de l'émotion, le visage entre les mains. C'est très lourd. Voilà, il contourne, tarde à se lever, finit par le faire. Il est levé, voilà. On atteint la verticalité. Salue tout le monde autour de lui. Il est applaudi. Voilà. Oh, approche. Se met, demande cœur de pirate en mariage. Est-ce qu'il se feinte, voilà, vers Michel Lunette, contourne Popsicle Boy. Monte les... Oh, c'est le galop. Il galope, voilà. C'est, il est heureux. Voilà, point avec l'animateur. Le salut. Accolade beaucoup trop longue. Oui. Discussion inutile qui mène à rien. Voilà, oui. Parfait. Il pointe. Il est hystérique. Je fais semblant de comprendre. Oh, il redescend. C'est une première. Oh, il taponne deux frères. Voilà. C'est chaleureux. Voilà, il s'applaudit. Remonte, remonte l'escalier en Nobel de littérature. Voilà. Salue le public à l'arrière et toute la nation. C'est interminable. Voilà. Il attaque le socle. Petit galop. Il s'installe, revêt la binocle. Non, parle dans le Félix. Il parle dans le Félix. Voilà, il parle dans le Félix. Voilà, réalise son erreur. Il attaque le micro. Voilà. Prend à bord de, voilà, ici une posture d'une prétention insoutenable, se penche trop. Amorce son discours d'un silence, cousin de la condescendance, finalement, la binocle. Voilà, il cherche ses notes dans la seule poche de son veston, un classique. Ah, il pointe quelqu'un. C'est quand l'équipe technique monte sur scène, un autre classique. Voilà, alors, il termine un trop long discours, oublie le Félix, évidemment, il passe. Oh, reviens chercher le Félix, comme ça, c'est la rigolade. Voilà. Attrape le Félix, ne sait pas de quel côté sortir, bien évidemment, comme ça, il ne sait plus, hésite, revient sur ses pas, on a toute la soirée. Sort du mauvais côté, et voilà. Alors, le moins de ça possible, s'il vous plaît. Les deux prochains artistes invités sont devenus des incontournables du répertoire québécois. 40 ans de carrière pour chacun de ces grands chanteurs, de la haute voltige vocale, de la performance avec un grand P. Voici messieurs Mario Pelcha et Bruno Pelletier. Si tu savais comment s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent. À la manique, ouagan. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps. Je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la mer. Attention, j'arrive, j'étais en éclipse. Ouvrez les projecteurs, je suis un chanteur. Je suis un romantique, ma vie c'est la musique. Je suis un amuseur, je suis un chanteur. Rouge, couleur passion, je suis le peintre de tes saisons. L'étoile, l'étoile signée de mon nom. Ça nous arrive quand on y croit et que nos mains sont ouvertes. Ça nous arrive quand on y croit et les jours d'autrefois passent de l'ombre au soleil.
È la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un manzoniero. Tu n'as rien vu, qu'un homme qui voulait te prendre. Tu n'as rien vu, mes failles, mes pas, mes gestes tendres. Rien entendu quand j'essayais de te comprendre. Damné, condamné, tes démons, t'es disparu. Je n'ai pas su te posséder, te retenir. Je n'ai pas su trouver la force d'en mourir. Je n'ai pas su trouver les mots pour te le dire, pour en finir et pour de bon. Je t'aime. Venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. M'a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans un soir de pluie, on se quitte. Le moment des larmes va bientôt venir. Cet instant, je le sais, il faut que je l'évite. C'est difficile de se retenir. Oh, oh, oh. Et si je pleure dans la pluie, l'univers a que que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri. Et tu ne l'entendras pas, qui peut voir des fleurs dans la pluie. Yeah. Mais tu ne l'entendras pas, qui peut voir des fleurs. Bravo! On se tendra jamais. Merci beaucoup, messieurs. Wow! C'est de l'émotion. Nous voici maintenant Félix, qui jusqu'à l'an dernier s'appelait artiste ayant le plus rayonné hors Québec, mais qui maintenant s'appelle Rayonnement International. J'ai demandé à la disque pourquoi un rayonnement international. Ils ont dit parce que ça sonne mieux comme ça. J'ai dit ça sonne mieux comme ça. Ils ont dit c'est la seule raison. Dis ce que tu veux avec ça. J'ai dit je vais dire ça. Ils ont dit OK, c'est dit. Et pour remettre le Félix qui sonne mieux comme ça, en voilà un qui rayonne à l'international. Il est maintenant chez nous au Québec, le chef et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal, M. Raphaël Bayare. Thank you.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir. Je suis fier d'être ici ce soir pour présenter la catégorie artiste de l'année rayonnement international. Les nommés sont... Cœur de pirate. Mais tant qu'il n'y aura que nos souffles qui pensent mes blessures. Clopel Gag. Vous m'avez dit que tu seras de retourner à ton lit. Jean-Michel Blais. Les Cowboys fringants. La question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Hubert Lenoir. Patrick Watson. Soons. Le Félix Remia. Hubert Lenoir. Ok, international. Ben en fait, notre album, ça fait, ben mon album, ça fait un peu plus qu'un an que Pictura de Ipsy Musique Directe est sorti. Ce soir, c'est le Victory Lap, fait que je voudrais dire comme merci à tout le monde, merci à tout mon monde en tournée. Il y en a quelques-uns qui sont ici ce soir de nous suivre. Je sais que c'est tough d'aller comme en Europe, mais j'aimerais surtout dire merci à toutes les le public, les fans au Québec, parce que avant d'aller genre en Europe et à l'international un peu partout, c'est grâce à vous. Fait que faut que ça commence quelque part. Fait que merci beaucoup. Ouais, merci. L'étrange période que l'on vient de traverser nous a amené son lot de complications, comme on le sait tous. Et pour les artistes émergents sur le point de plonger, se frayer un chemin dans cette cohue incertaine relevait de l'acrobatie, des albums retardés, des tournées reportées, des gens avec qui on travaille depuis quelques mois qui enlèvent leur masque et on fait « qu'est-ce que c'est ça? » Bas de face surprenant. C'est beaucoup d'imprévus. Alors, je suis très heureux de vous présenter 5 révélations qui ont su se faufiler avec leur talent à travers les derniers temps. Voici Lazara, Ariane Roy, Étienne Copé, Jay Scott et Natacha Canapé. Je couche un horizon trouble à la surface des usines en papier. En passant par les champs de tourbe, je m'écorche les pieds. Au loin, à l'intérieur des cabines, même le bois dit qu'elle n'en sait rien. Le ciel rouge prend sa carabine, il ne reste plus rien. Si ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui demain? Et si on s'enfuyait d'ici, prendre quel chemin? La 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 la. Et si ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui demain? Je voulais taper ce matin.
Tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirai que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aime contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu te rendras comme tous les autres avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres avant toi. Je suis jeune, c'est deux choses qui vont rarement bien ensemble. On aura tellement pleuré. Le vent se lève ce matin, j'ai décidé de vivre. J'ai gardé trop de phrases complètes dans ma tête, de peur de te faire mal. Je remonte tranquillement à la surface, ne vous inquiétez pas. Bientôt je ne serai plus le même. Non, 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 non. Le vent se lève ce matin, j'ai décidé de vivre. Je remonte tranquillement à la surface, ne vous inquiétez pas. Bientôt je ne serai plus le même. Take me home, take me home. Je vais juste aller à la maison, puis get stone. Essayez pas d'appeler sur mon phone. Je wake up every morning, les deux yeux dans graisse de pin. L'espresso coule dans mes veines, puis je t'avoue que je déjeune à peine. Ça doit faire un bon deux semaines que j'ai pas fait la vaisselle, puis je m'en calisse. Les mouches sont devenues mes amis. Perdu dans mes idées noires. Quand je get stone, ils deviennent multicolores. Pour à peu près 20 minutes. So wake up, get up, bake comme un gâteau, pute cop, fuck up. J'colle sick à la job, DoorDash, puis Netflix, familial, la poutine. Même si j'suis tout seul, j'mange les restants dans la nuit. J'veux pas aller travailler, j'veux rester dans mon lit, rester en cabané, jusqu'à temps que l'été arrive. J'suis perdu comme mes clés, j'sais jamais où est-ce que j'ai les ai mis. J'suis prêt à péter une fenêtre pour rentrer chez nous s'il faut. Take me home, take me home. J'veux juste aller à la maison, puis Gaston. Essayez pas d'appeler sur mon phone. C'est sûr que j'réponds pas, j'm'en vais m'emborer. J'vais me réveiller lundi matin un peu blasé. Boire un petit café, ça va me remonter. J'vais m'habiller pour aller démissionner. C'était les révélations de l'année. Après la pause, on dévoile le gagnant ou la gagnante. Restez là. Écoutez, pas vrai ça, est-ce que ça... J'en parlais avec Fox. Grâce au Rendez-vous Loto-Québec qui se déroule partout à travers la province, Loto-Québec est heureuse de contribuer à la culture d'ici et de souhaiter particulièrement ce soir bonne chance à tous les nommés dans la catégorie Révélation de l'année. Bon gala! La SODEC applaudit chaleureusement
les artistes et les artisans de l'industrie musicale québécoise et vous souhaite un très bon gala. Avec nous ce soir pour présenter le prix de la révélation de l'année, Pierre Lapointe et Claudine Prébeau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Claudine, on est là ce soir pour remettre le prix de la révélation. Oui, mon cher Pierre, effectivement. Et c'est une très grosse année, encore une fois. Il y a 31 artistes qui obtiennent cette année une toute première nomination à la disque. C'est formidable. Oui, applaudissons-nous. Ben, vous. Et quand j'écoute le travail des finalistes de la catégorie qu'on est en train de présenter en ce moment même, je me dis qu'il y a vraiment énormément de talent chez les jeunes. Et le niveau est très, très fort. Ouais, vraiment. Alors, on y va. Dans la catégorie Révélation de l'année, les nommés sont... Étienne Copé. Natacha Canapé. La Zara. Ariane Roy. Et Jay Scott. Et le Félix de la révélation de l'année. C'est très excitant. Ariane Roy! OK, je m'attendais pas à monter sur scène. Je suis très émue en ce moment. C'est lourd, ça, tabarnouche, c'est lourd. OK, rapidement, des merci à Benoît Rioux, Catherine Simard, sans vous, qui est allée voir un show franc ouvert. Ça a starté comme ça. La personne aussi très importante qui fait en sorte que ce projet-là existe, Dominique Plante, bien sûr, avec qui j'ai co-réalisé l'album. Merci. Vivi, P.E., Odile, Cédric, Alex, Lou, Roxane, toute l'équipe de Maison Fauve, merci, c'est fini. Raph, je t'aime, OK. C'est bon, bye, merci. Merci, Carl. Qu'est-ce qui se on va le placer à bonne place, tu sais, les wedges, la boîte brune, toujours comme ça, tu, ton retour, t'as ton... Pénurie de main-d'œuvre, excusez-moi. C'est bon. OK, guys. Bon, allez là. OK, donc, en plus d'être la reine du Chiac Disco et la femme la plus nommée cette année, Lisa Leblanc réalise Le Tour du Grand Bois, l'album de sa grande sœur Cosmique. Les voilà réunis ce soir. Voici Lisa Leblanc et Edith Butler. Pour faire demain, pourquoi faire aujourd'hui?
veux retourner dans le bois. Dans le bois, je veux retourner dans le bois. Voir la pluie dans les prairies, les mouches à feu qui éclairent la nuit. Dans le bois. Dans le bois, je veux retourner dans le bois. Les cabanes dans les ruelles, le feu dans le bois, les jours de gel. Dans le bois. Je veux retourner dans le bois. Les outardes sont arrivés, des ligoles, des gringoles dans le bois. Dans le bois, je veux retourner dans le bois. La selle coule dans les arbres, c'est accroché les érables dans le bois. Décide jusqu'à sa maison, puis les étoiles sont claires à soi. À venir, Naya Ali, Sarah B, Voivode, Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie-Carmen. Chez nous, c'est la meilleure. Elle mérite d'être découverte partout à travers le monde. Puis ça, bien, c'est grâce à vous. Merci de nous faire triper, de nous faire rayonner. Bon gala à tous! Des fois, il faut juste laisser ça aller. Des fois, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à présenter. Il faut juste laisser la musique parler. Deux artistes au verbe franc, à la prose décomplexée. Voici Naya Ali et Sarah May. You get it, I own it. Niggas gon' think I stole it. Niggas gon' think I'm loaded. Full house and I ain't gon' fold it. So tell my to look back. I tell her what I need. But I'd rather keep my peace. I know I can't go back. And in all my feelings I go with Jonna. Lately I've been feeling so low, but I'm a keep my space and I sit back. Work hard, but a little more smarter. Give me that work, don't like Carter. Tick tock, come and just go hard, eh? Just dip, I flow like water. I know I won't go back, cause I feel that energy. I see my destiny, and I know you'll need it. Thinking all my feelings like, ooh. Lately I've been feeling so low. Ain't no more feelings involved, I'm gonna take flight. Talons d'archives, dans trop fragile. T'es pas malique, t'es pas chahi, pas versatile. Demande au vrai, j'ai combien de piges dans ce putain de bise. Ne souris pas, j'ai pas de respect pour les hypocrites. Depuis que je touche plus la tise, mes rêves se concrétisent. Ah ouais, on vise la cible, parfois y'avait un milli dans la face. Je coupe dans la cuisine mon nouveau hit. J'expose
défonce tous les blancs suprémacistes. Fait 15 ans que les expos sont plus en ville. Contingent armé comme à Brazzaville. Il y a 2 ans j'ai donné mon 4%. Meilleure décision à vie. Compare pas un bonnet à 1%. Tu vas perdre ton pari. Tu joues au bon gars mais t'es délinquant. Tes excuses étaient pas très convaincantes. Beaucoup régressent mais on se réinvente. Depuis mon succès ils rêvent d'avant. La mémoire vacille. La disque n'est plus puis s'anime. Les lumières s'attirent. Bienvenue dans ma vie. Je suis la fille de pas juste la sœur de arrive en vie. Génie ou demi-dieu à croire que ton vœu c'est l'évangile. Sapé en boubou sur tapis rouge. Une fois lancé je fais jamais de demi-tour. Fuego avec lunettes infrarouges. Après le Québec, l'Afrique on fait Singapour. Garde ce boulot, dodo, pas la check it sans un loco. Ghetto, béton, couteau. Black lives matter jusqu'au tombeau. Moi disant qu'il y a, je suis polyglotte. Nos valeurs sont aux antipodes. Fin des carrières comme un petit gosse. Salon. Bienvenue dans ma vie. I'm trying to hold you to my feet. Voici arrivé au Félix de l'album Succès populaire. Et pour remettre le Félix, voici 2 coqueluches acclamées des jeunes Canadiens français de la province de Québec. De son nom de jeune fille, Alicia Moffett. De son nom de baladin, Fouki. Yeah! Dans la catégorie album succès populaire, les nommés sont... Acrophobie, Roxane Bruno. Là, je vous en prie, ne me tournez pas le dos. Contre vents et marées, Paul Darèche, René Martel. Obad, Jean-Michel Blais. Bande sonore originale du film L'Amérique pleure, Les Cowboys fringants. Nostalgique, Lost. Oh, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Comme au premier rendez-vous, Mario Pelcha. Entre le gris et la lumière. Ses plus grands succès, Jay Scott. J'ai pu casser ta mine en fer. Ginalo Salé, Salbar. Disque d'art, Soldier. J'ai l'air de quoi si je me regarde dans le miroir. Ginette à ma façon, Guylaine Tanguay. Des croissants de soleil pour déjeuner. Et le Félix est remis à... Bande sonore originale du film L'Amérique pleure, Les Cowboys fringants. Demain soir, je t'aime mon ami. Non, toi, que je suis pas vraiment le temps d'être. Mais tu vois du pays, hein. Tu peux que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je pose tout le temps, mais bon, merci, merci beaucoup. En fait, un grand merci à notre public, à nos fans qui nous suivent depuis 26 ans. C'est grâce à vous si on gagne ce trophée-là aujourd'hui. Puis, je voulais dire aussi un gros merci à la première ligne de fans qui viennent à quasiment tous nos shows depuis une vingtaine d'années, qui sont devenus des amis pour nous. Je pense qu'on a une belle relation avec vous, avec tous ceux qui nous aiment, qui viennent nous supporter soir après soir dans les salles de concert. Pour nous, c'est une fête qu'on fait avec vous, puis on la fait justement avec vous, avec notre public. On vous aime de tout cœur. On espère pouvoir être là encore plusieurs années
pour vivre encore des belles expériences comme ça avec vous. Merci à Geneviève Audy qui s'occupe du Facebook des Cowboys pour qui nous aide dans la messagerie privée. Et le compte est à zéro. On me fait signe ici par mes collègues parce que j'ai pas eu d'autres cues. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose? Il faut dire merci au génie de la console, Gus Van Gogh. Mais hein. Au génie des manches et des tambours, toute la gang de super musiciens, à l'équipe de la tribu, à Louis-Philippe Hainaut qui a réalisé le film. Ça a été une grande aventure. Merci de la souligner comme ça. Plus tard, en performance à l'émission, Hubert Lenoir et Corneille. Vous savez, dans un gala comme ce soir, il y a des artistes partout dans la salle, pas seulement au tout devant, mais aussi au tout derrière. Et ceux-ci reçoivent quand même pas mal moins d'attention que vous, les cuties. Alors, prenons un instant pour rencontrer l'artiste assis le plus loin dans la salle cette année. Et saluons Marilyn Léonard. Voilà. Bien blotti au siège K39. Bonsoir, Marilyn. Ton EP s'appelle Vie d'ange, en deux mots. Oui. Tu es déjà couverte d'éloges par tes pères et la critique. Et tu es née le 15 avril 2001. Oui. J'ai des appels à retourner plus vieux que ça. Donc, Marilyn, tu es née en pleine apogée du CD, toi, et tu fais partie de la génération qui n'en a sûrement jamais acheté. Alors, en cette ère dans gratuitement de la musique, Marilyn, laisse-moi te raconter. Marilyn, tes ancêtres écoutaient la musique sur de petites galettes de 4 pouces et quart que l'on déposait dans des machines. Des machines qu'on gardait des années. C'était l'époque où les choses étaient solides. Des fois, il y avait des machines à 5 galettes. On pouvait déposer 5 disques compacts sur un plateau comme ça. On appuyait sur un bouton. Tu sais, un bouton, c'était un truc rond. Tu pesais dessus, il reculait un peu. C'était quand même spécial. Il faisait toc en reculant. Et puis là, les disques jouaient en continu, telle une playlist. Mais pas de publicité, pas de réseau qui rentre mal, pas de demande de mise à jour, pas de sonnerie de téléphone qui interrompt une toune, pas de partage de données personnelles ou pas de vol de droits d'auteur. Juste de la musique. T'étais bon pour 4h15. Ouais. T'étais bon pour 4h15, il n'y a jamais rien qui brise et tout le monde est payé sa palette. Et qu'on a bien fait de sacrer ça aux poubelles, hein? Oui, puis nos chanteurs étaient riches. Oui, Marilyn, à une époque, nos chanteurs étaient riches. Mais riches à l'ancienne, là. Ça ouvrait des restaurants. Vous rappelez-vous quand nos chanteurs achetaient des restaurants? Ça fermait au bout de 2 semaines. Pas grave, on fera un album double. Riche à l'ancienne. Michel Richard possédait une Rolls-Royce. Oui, je vais juste répéter ça. Michel Richard possédait une Rolls-Royce. Elle n'écrivait pas ses chansons. Sais-tu combien de galettes faut que tu vendes pour pas écrire dessus puis te promener dans le même char que la reine morte? Oui. La grande époque, Marilyn, quand Robert Charlebois était ami avec Castro, on sait pas pourquoi, là. C'est quoi cette histoire? On n'a pas assez parlé de ça. On fait pas assez état de Charlebois qui est body-body qui fidèle Castro en 75. Puis c'est quoi cette histoire-là? C'est qu'ils faisaient ces deux-là ensemble. Il y a des photos, ça joue au golf, ça vide des truites. Ça. Trudeau père en pédalo. Hé, hey, les gars! C'est quoi? Imagines-tu aujourd'hui Fouki en train de chiller avec le président cubain? En fait, oui, complètement. Là, complètement. 10 ans, j'ai bien vu. Alors, bonne soirée, Marilyn. Je te souhaite autant de succès que nos royaux artistes ainsi que ceux qui se retrouvent maintenant dans la catégorie spectacle de l'année. Alors, pour le Félix spectacle de l'année, les nommés sont... Acrophobie, Roxane Bruno. Le cours des jours, Dumas. Pour déjouer l'ennui, Pierre Lapointe. Si tu m'aimes encore,
Les Antipodes, les Cowboys fringants. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Grand voyage désorganisé, Patrice Michaud. Aujourd'hui, vous êtes ici. Incarnat, Ariane Moffat. Séduire pour survivre, Gab Paquet. C'est fini les services, et si tu t'ennuies. Notre-Dame des Sept Douleurs, Claude Pelgage. Émile Proucloutier. Qui regarde le monde, c'est encore plus beau. Toute beauté n'est pas perdue. Vincent Vallière. Elle n'entend plus battre son cœur. Alors, le Félix, spectacle de l'année est remis à Claude Pelgag, Notre-Dame des Sept Douleurs. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'était une grande aventure, toute cette tournée rocambolesque avec pandémie, post-pandémie, tout ça. Mais quand même, on est allé jouer un peu partout, au Japon, en Angleterre dernièrement, puis en Europe. Donc, je me considère tellement chanceuse d'avoir l'opportunité de faire tout ça. Donc, je remercie mon équipe, la coop Les Fourmenailleurs, Jean-François Guindon, Nicolas Rivalet, Zamora Productions, puis tous mes musiciens. Colin, bravo pour la musique. Et je suis vraiment, pour vrai, très chouquette. Là. Puis je devrais dire bravo à tout le monde qui est nominé dans cette catégorie et tout partout. Tout le monde qui font encore de la musique, c'est important. Puis c'est courageux, puis c'est nice. Pour remettre le Félix du groupe ou duo de l'année, on reçoit des invités très spéciaux. Voivode est un groupe légendaire dont l'apport est monumental. À la disque, il n'y a jamais eu de catégorie heavy metal anglophone, mais c'est dans le monde entier qu'ils furent reconnus par leur père ainsi que leur légion de fans. Leur 15e album est paru en 2022 et personnellement, je suis très heureux qu'ils soient ici ce soir parce qu'il y a un nouveau EP qui est paru avant hier et après-demain, ils partent en tournée, une tournée européenne qui les mènera dans 11 pays pour 21 concerts en 30 jours. Et ça, c'est de l'ouvrage. C'est beaucoup de travail. Surtout quand ça fait 40 ans qu'on roule. Reconnu mondialement, originaire de Jonquière, voici Voivode. Merci beaucoup. D'abord, merci à la disque pour nous inviter ce soir. On n'est pas habitués, nous autres, de ce genre de trucs-là. Super content d'être ici à l'aube de notre 40e anniversaire. Et juste avant de partir en Europe, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour présenter ce prix. Dans la catégorie groupe ou duo de l'année, les nommés sont... Deux frères. Bon enfant. Les Cowboys fringants. Les Trois Accords. Sale Barbe. L'enveloppe. Oh! Sale Barbe! Hey, good Lord, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Hey, good Lord, qu'est-ce qu'il pourrait faire?
OK. C'est donc bien le fun. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci à Louis Armand, Danny Coche et Alibi. Merci à nos familles. On va revenir. Merci à Louis Carrière chez Presse, notre équipe de tournée. Merci beaucoup, Simon Côté, de chez Ship2. Merci aux relations de presse. Merci à l'équipe Torpille. Merci au public. C'est vous qui avez voté. Wow! Merci surtout, surtout à nos familles. Merci aux femmes dans nos vies. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas ici ce soir. Merci beaucoup, les filles, de garder le fort. Yannick Dufour, merci, notre gérante, t'es Yannick extraordinaire. V. Dufour, merci Val, merci, vous êtes, vous êtes nos mères en tournée. Et merci à Nat Kerouac, puis aussi, je veux juste vous dire, nous autres, on a choisi de penser au nous, d'être une collectivité au lieu de penser au je, puis c'est fou ce qui nous arrive, puis partout ce qu'on voit en région, partout, le monde y a envie de penser au nous avec nous autres, c'est capoté raide. Merci. Hey! Ensuite, après la pause avec Corneille. La presse est fière de contribuer au rayonnement de nos artisans d'ici. Félicitations à tous les finalistes pour leur passion et leur talent. Bon gala! Ce soir, rendons hommage à la chanson québécoise. La musique qui nous ressemble, la musique qui nous rassemble. Il y a 20 ans paraissait l'album « Parce qu'on vient de loin » de Corneille. Cette année, il propose « Encre rose » et ce soir, la scène est chaude pour un artiste dont le son, le soul, le funk et la voix sont indémodables. Accompagné de Dashni Jules, voici Corneille! Je suis loin de tes yeux, je t'ai pris de mon cœur. Pas possible autrement, tu es mon commencement. J'aurais dû m'en douter, c'était bien trop beau. Un jour tu devais quitter, mais tous les départs arrivent trop tôt. À celle qui veille sur nous dans l'ombre, ici ou de l'autre côté de ce monde. J'ai laissé quelque chose, les folies que j'ose. Quelque chose qui en quelques doses nous garde notre rose. Je n'ai pas plus fort, toujours en douceur, celle qui n'allait pas de même mort, pour à jamais m'armer le cœur. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné, et tu me laisses l'essentiel. Sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, 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 oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe et nous laisse vivre. Yeah.
ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde vous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Alors vivons pendant qu'on peut encore faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. De loin. Merci. Après la pause, Émile Bilodeau, Laurent Nicoué et Samiane. Émile Bilodeau est déjà un passeur. Cet été, il a offert à ses amis artistes autochtones de partager la scène avec lui au Francofolie. Ce soir, c'est à leur tour d'accueillir Émile parmi eux. Voici Samiane, Laura Nicoué, Claude McKenzie et Émile Bilodeau. Je suis à Malio-Tenam, en studio avec Ivan. Lui, c'est le meilleur joueur de guitare ici. Ça fait longtemps que la musique s'invite. J'suis à Malio-Tenam, il fait chaud dans la cabane. J'suis avec Scott, pis il me parle de son spot. Il a gentiment accepté de le chanter avec moi. Merci! Ici les visages font partie du paysage. Y'a des milliers prêt à chiller un peu partout. À soir, le grand Florent Volant va nous raconter l'histoire de son territoire. Chemin dans le Bonanno, on est chanceux, il fait beau puis c'est calme. À Malio-Tenam. What you got there? The boss in him will win. The boy win the ball, who's it win make? He's classic. I need my cheeky and guitar, need me losing none. Me touch the tiki, don't I? Yeah, we are go, we are the gigi kindan. Get you sheep, yeah, man, copy. In not easy and shower with the mask, weezy mark. And he the one, get you, she the one, gazoga. Kick you up, I'm women. I just for sawin, dabble, wind and tower. What you got there?
It'd be good in this season. Keep this dead. Wish I'd get back. Be so good. Hey, hey, hey. Get it, got me, got me. Moi j'ai quelque pour me taire. Hey hey hey. T'as pas gâté un game au temps. Yeah. Moi t'es qu'un homme à désirer. Hey hey hey. Depuis que Philippe Pignoux, DC Musique, et Jean-Philippe Vautier, DC Télé. Bonsoir, JP. Par les temps qui courent, notre musique d'ici est riche et personnellement, je la trouve très, très précieuse. Et chez nous, à Radio-Canada, bien, notre musique d'ici, on la savoure puis on l'embrasse à tous les jours. Et c'est pour ça qu'on salue les finalistes aujourd'hui dans la catégorie auteur-compositeur-compositrice de l'année. Les nommés sont... Lou-Adriane Cassidy, Alexandre Martel. Pour Lou-Adriane Cassidy, vous dit bonsoir. Je ne suis pas très loin, atteint ici. Lisa Leblanc, Benoît Morier, Michel Roy, Léandre Bourgeois. Pour Chiac Disco. Pas faire aujourd'hui, qu'est-ce que pourrais faire demain? Salomé Leclerc, pour Mille ouvrages mon cœur. Je sais que la vie prend de l'avant. Hubert Lenoir, pour Pictura de Ipsé, musique directe. Vincent Roberge, Félix Petit, pour Crash. On aurait dû en rester là. Et le Félix va à Hubert Lenoir, pour Pictura de Ipsé, musique directe. Merci pour OK, je veux dire... Yo, ça va prendre plus que 42 secondes, for real. Crissez-moi patience. Mais ma mère m'a fait une surprise, puis elle est là tantôt. Elle est venue, elle m'a vu tantôt, puis je savais pas qu'elle allait être là. Merci. Merci d'être là, maman. J'ai préparé quelque chose parce que je suis pas capable de parler, fait que je vais juste le lire, OK? Auteur-compositeur à écrire des chansons, je pense que tout le monde écrit des chansons à longueur de journée sans s'en rendre compte. Je pense que peut-être mon plus grand talent, c'est d'y être attentif. D'enregistrer la musique des choses, les pulsations du monde, les mots et les rêves des autres, ça m'a permis d'être invisible
et invincible. Ça m'a donné la permission d'être moi-même. J'espère que ça aura donné aux autres la chance de se voir comme des sujets dignes de temps et d'attention, l'opportunité de se voir sous une autre perspective et de voir les transgressions possibles. J'espère que ça continue de le faire. Bientôt, nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Ceci est un hommage au romantisme et un refus à l'inertie. Props à mon deep throat en 2018. Ceci est un hommage à l'humilité et à l'ambition et au refus des conventions. Bonne fucking fin de soirée, tout le monde. Pour présenter le prix Artiste Autochtone, voici Kelly Régis Fortier et Xavier Watso. Kelly Régis Fortin, Ninan Kanrmush. Bonjour, je suis Kelly Régis Fortin du groupe Ninan. Kwai, Ndalezwizi Sapiel Wadzo, Ndanamba Ta Ndanamba en Dwawangan, Nwege Odanak, Kolipayon. Je m'appelle Xavier Wadzo, je suis Abenaki de la communauté d'Odanak. Nous sommes fiers et honorés de vous adresser la parole en Abenaki et en Innu sur une si belle tribune. Шанен эджиснаштаната инуканагамахата удедесено уде адиск. Merci à la disque d'encourager le rapprochement de nos peuples. Elle est nommée dans la catégorie artiste autochtone de l'année son. Beatrice Deer. Natacha Canapé. Si ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui? Demain. Laura Nikwe. Scott Pien Picard. Samian. Et le Félix est remis à Laura Nikwe. Miigwech, miigwech. Vite de même, j'avais un premier petit poisson que j'avais appelé Hubert Lenoir. On avait appelé vraiment comme ça. Il s'appelait vraiment comme ça quand on l'avait, mais on l'avait changé de nom pour Elvis Presley. Ben, là, le petit poisson est mort aujourd'hui. Dommage. Premièrement, je remercie encore Musique Nomade et Joël Robillard, ma gérante, et ma mère qui est au deuxième balcon et ma fille aussi. Merci maman, t'es là! Et ma blonde April aussi qui m'appuie à fond là-dedans. Donc merci beaucoup tout le monde. Gala de la disque aussi, toute l'équipe. Et je vous promets que je vais être là encore jusqu'à l'âge de 97 ans et demi à peu près. Merci. Ça bourdonne en coulisses, mesdames et messieurs, après la pause, une performance d'Hubert Lenoir. Restez là.
good living. I still deliver, still deliver. Pass the liver, cook the door. Pass the sickle, seal the ship. Cause the money, so living. J'ai pas besoin de parler. 50 000 de chèques, j'ai oublié de déposer. Yeah, what the fuck is up avec ma vie ces temps-ci? Des fois j'ai l'impression que je ne touche plus jamais. Je veux juste voir le monde avant que le monde soit cassé. Je veux faire taire ta mère avant que ta mère puisse chialer. Contrairement aux autres, je peux voir des cas dans ton jeu. Même si j'ai pas stress, je peux te parler straight de Dieu. Mon élément c'est le feu, joli feu. Ton ardeur me donne envie. Des fois de me crisser en feu. Contre le tout en me parler. Comme le fait du pire maman. Quand je lui crie, brûle mon sang. Nicolas Ouellet, on vous attend à l'après-gala de la disque. On va recevoir tout plein des gagnants et des gagnantes de la soirée. Oui, comme Salbar, Patrice Michaud, mais aussi Louis-José Houd, Mario Pelcha, Corneille et les deux interprètes de l'année. C'est un rendez-vous sur ICI Art TV tout de suite après le gala et aussi sur ICI Radio-Canada Télé après le téléjournal. À tantôt! Bye. Radio Énergie et Rouge sont heureuses de soutenir et de contribuer à faire découvrir la musique d'ici. Bon gala à tous! Ah, voilà! Bienvenue au bloc 9, un de nos meilleurs et notre dernier. Alors, pour présenter le Félix interprète féminine, c'est un privilège d'accueillir ce soir, non pas une, non pas deux, mais bien trois magnifiques voix qui ont remporté, lors de l'autre du premier gala, le Félix Spectacle Variété Réinterprétation pour le spectacle Pour une histoire d'un soir. Voici Jo Beaucamp, Marie-Carmen et Marie-Denise Pelletier. Bonsoir. Merci. Quel accueil. Merci infiniment.
Merci Louis-José pour cette présentation. Écoutez, nous tenons à remercier du fond du cœur tous les artisans de notre spectacle pour une histoire d'un soir, le metteur en scène Michel Poirier, le directeur musical Jacques Roy, les musiciens, les techniciens, le producteur Martin Leclerc et toute sa fabuleuse équipe. Merci à la SODEC, aux diffuseurs et au public, évidemment. Dans la catégorie interprète féminine de l'année, les nommées sont Cœur de pirate, c'était Roxane Bruno, excusez-moi. Et là, je dis cœur de pirate, c'est ça? Oui. Cœur de pirate. Claude Pelgag. Sarah May. Élisa Leblanc. Et le Félix va à Roxane Bruno. OK. Oh my God. Je sais qu'interprète féminine de l'année, c'est pas moi à moi que tu penses là, en premier, là, côté féminité. Je veux dire un gros merci au public. C'est vous autres, vous m'avez créé, vous m'avez pris chez nous, puis vous m'avez amené jusqu'ici, puis. Ça me fait du bien de savoir que j'étais pas juste la saveur du mois, puis qu'année après année, vous êtes encore dans mes salles, vous chantez encore mes tunes. Je veux dire merci à toute mon équipe, à ma gérante, Val, à Matt Brisset, si je suis un interprète, c'est parce que t'es là avec moi et tu fais la musique, mon chum. Merci, tout le monde, et je vous aime. C'est très bien passé. Nous voici l'interprète masculin. Je vais nommer 5 noms. Faites ce que vous voulez avec ça. OK! Notez que les votes dans les catégories groupe et interprète sont faits sous la supervision de Raymond Chabot Grand Thornton, qui prépare leur premier album, Supervise That Bitch. Alors, dans la catégorie interprète masculin de l'année, les nommés sont Ludovic Bourgeois, Corneille, Marc Dupré, Hubert Lenoir, et Patrice Michaud. Alors, le public et l'Académie ont choisi Hubert Lenoir. C'est un prix du public. Fait que à toutes les gens qui disent que ma musique est juste écoutée par un microcosme de personnes dans des centres urbains, peut-être qu'à partir de maintenant, vous pouvez juste shut the fuck up. «
Merci pour de vrai. Merci à tout le monde qui écoute ma musique. Je fais la musique pour le monde. C'est fucking important pour moi. Ben en fait, les gens qui disent que personne n'écoute ma musique, ils n'ont pas tort non plus. Parce que dans le sens qu'on vit chacun dans notre propre monde, on a nos propres trucs, on connaît nos affaires. Fait que je comprends, tu sais, que peut-être dans ton cercle d'amis, il n'y a personne qui m'écoute, puis c'est fucking chill avec ça, tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais c'est juste important des fois d'être curieux envers les autres, juste aller voir, de ne pas juger du premier coup. Comme. Dans, je veux dire, c'est dans tous les sens. Genre, des fois, tu comme, j'entends du monde dans mon cercle d'amis, dans du monde à Paris, dans des trucs intellectuels qui sont genre, oh, c'est de la putain de merde, ces trucs. Yo, shut the fuck up. Ça veut pas dire que toi, t'aimes pas ça, puis t'es fucking ami bourgeois. Que, genre, comme, ouf, tes hosties de hier, comme on dit. Et j'aimerais envoyer ce message-là aussi, peut-être, à l'industrie de la musique québécoise au grand complet. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui ont des publics énormes, qu'on acknowledge pas ici, qu'on les écoute pas, ça serait fucking nice d'écouter. Yo, je sais que les codes d'écoute de la disque sont en shit libre. Qu'est-ce qu'il nous reste à fucking perdre? Ça va être juste fucking nice si on amène du nouveau monde sur la scène. Bonne fucking fin de soirée, tout le monde. Bonne semaine. Yeah! Alors, c'était le fucking 44e gala de la disque. Merci à Gilbert, Fredette, les musiciens et les musiciennes. Merci à Radio-Canada. Merci au public à la maison qui nous a regardés. J'espère que ça vous a plu. Merci au public dans la salle ce soir qui est venu nous voir. Et puis, merci à tous les artistes présents ici ce soir. Et j'ai mentionné au début de la soirée le retour aux performances. Là, on est de retour, c'est le temps. Je vous en souhaite plein de mémorables sur les scènes du Québec et partout ailleurs. Champagne, showbiz, ce fut un plaisir encore une fois. Merci beaucoup, beaucoup tout le monde. Rentrez bien. Bonsoir.